De faire une balade. On attend Nathalie, elle va nous rejoindre. Elle est partie chercher Fanny pour qu'on fasse le prochain film par rapport à comment apprendre à donner les pieds. Là, je voulais bien avoir votre impression sur... Donc, on est sortis, on était quatre accrues. Et du coup, Lucas, qui est sorti en cordelette pour la première fois. Marie-Pierre, aussi en cordelette. Et puis du coup, Nathalie, qui est sortie en cordelette. Déjà, nous qui étions accrus, qu'est-ce que ça vous a donné comme impression de voir les trois chevaux devant? Un coup, il y en avait un qui passait en tête, un coup, c'était l'autre. Ça vous a fait quoi de voir des chevaux en presque liberté? Est-ce que ça vous a fait quelque chose? Ouais, c'était sympa. Ça faisait vraiment... C'était beau à voir. Moi, ce que ça m'a fait personnellement, c'est ressentir quelque chose qui ressemble à de l'harmonie. Entre nous sept, du coup. Oui, entre nous sept, entre chaque duo, chacune avec son cheval, les cordelettes. J'étais un peu loin, alors je ne voyais pas exactement, mais je vous voyais marcher sans les tenir, quoi. Donc, c'était chouette. Est-ce que vous vous êtes sentie en sécurité? Parce que moi, personnellement, du coup, j'ai laissé les trois chevaux en cordelettes devant, c'était un peu osé de ma part. J'ai dit tout de suite à Nathalie, pareil, Nathalie va nous rejoindre. J'avais dit au départ, je prenais la tête, est-ce que vous avez entendu? J'ai dit, allez, passe devant. Tout de suite. En un quart de seconde, c'était prêt, elle était prête. Et Ça, c'était parce qu'elle donnait de l'énergie, elle montrait l'envie d'aller devant. On filme et on t'attend. Attache-la à la ficelle et t'inquiète pas, on t'attend. C'était osé, mais moi, je me suis sentie en parfaite sécurité avec trois chevaux devant, serein. Vous? Ouais, parfaitement. Vous faisiez partie du groupe. Ouais, vraiment, ouais. Mais de loin, on ne pouvait pas imaginer qu'ils étaient pas tenus en fait. Non, mais de loin. Mais sérieusement, de loin, moi je vois. Enfin, de loin, quelqu'un qui voit au loin, bon, bah, vous prenez des chevaux, quoi. Mais oui, c'est ça. Ouais. Mais normal, oui, enfin, vous prenez, ils ont rien. Chou, ouais. Mais c'est ça, coup, votre chien. Mais quoi. Du coup, oui, depuis qu'on est là depuis trois jours, c'est presque. Bah, c'est incroyable, mais du coup. C'était la finalité. Ça paraissait juste normal. Oui, ouais. Finalité, je suis un petit point pour la fin. Ouais. Un petit point. Sur le gâteau. Ouais. La cerise sur le gâteau, c'est marrant. Bon, alors Marie-Pierre, tu es bien partie pour nous parler de ton aventure. Donc toi, tu étais en cordelette avec Joey. Oui, est-ce que tu peux me parler de tes ressentis? Trop magique. Trop magique. Il y a eu des mots au début. Nathalie, il y a ici. Au début, je me suis dit, je suis un peu dans le stress, donc j'avais ce réflexe de vouloir attraper la cordelette. Puis après, bon, bah, allez, il faut se lâcher, quoi. Puis ben, je me suis lâchée, puis... Qu'est-ce que t'as senti? T'étais là, ton cheval était là, qu'est-ce que t'as senti là, dans ce truc-là? T'as senti le fil d'Ariane qui vous... Quoi, je dis le fil d'Ariane. Le fil énergétique qui... C'est pour ça qu'au début, je mettais la main, parce que je me suis dit, je vais essayer de matérialiser ce fil d'Ariane. Puis après, tu m'as dit, mais non, relâche. Et puis en fait, même sans mettre la main, bah, y avait ce lien avec le cheval. En fait. Super. Lucia, t'as envie de partager un petit peu, toi, quel mot qui te vient en tête, quelle sensation? Sérénité... Le lien dont on avait parlé, c'était notre mot de la journée. En vrai, bah, on a débouché dans un lien parfait avec Tokamo. Ce matin, cohérence cardiaque, on se mettait en diapason avec le lien. Ouais. Et avec la gratitude aussi, après, à la fin de toute cette énergie qu'on a, nous sept. C'était assez joli pendant ces trois jours. On a finalisé là-dedans. Voilà. Le lien, t'as raison. C'est ça. Moi, j'avais la totale confiance en lui parce qu'il semblait totalement calme. Et moi, j'étais totalement calme parce que j'avais aucune appréhension. Qui marchait. Vous avez vu ses épaules hyper ballantes. J'adore. Ah, mais d'accord. Je ne savais pas. Mais donc, moi, j'avais pas d'appréhension comme j'avais vu de tes vidéos et tout. Et que les gens, ils disaient super facile. Les chevaux, ils sont trop détendus et tout. Enfin, finalement, est-ce que c'était facile? Ah bah oui. Est-ce que c'était facile, Marie-Pierre? Est-ce que c'était facile, Nathalie? Il fallait juste être très concentré et présent, voilà. Ça c'est un travail sur soi, c'est pas un truc où il doit être, le cheval est très impliqué, c'est nous-mêmes, on fournit notre énergie pour ça. Mais une fois qu'on est dedans, en plus parfois je pourrais peut-être voir si ça pouvait augmenter encore le lien, je m'amusais à marcher avec les mêmes antérieurs que lui au même moment, pour voir, parce que je me suis dit si on travaille les mêmes muscles au même moment, peut-être que, en tout cas pour moi ça me permettait d'être encore plus avec lui. Moi je sais pas si pour lui ça fait une différence, mais bon en tout cas il était très présent comme...
très présent avec moi. Moi j'avais l'impression que c'est lui qui avait cette impression que l'oreille et l'œil, il était toujours en connexion vers nous, tout le temps. Il était en connexion avec nous tout le temps. Et avec vous trois, et oui. C'est pour ça que je voulais vous faire passer devant pour bien voir tout ça. Carrément. Carrément. Qu'est-ce que vous avez senti, toutes les deux, Nathalie et Marie-Pierre, à un certain moment, la dernière ligne droite, je vous ai dit, allez-y, marchez toutes les deux ensemble, vous étiez quatre du coup sur la même ligne, sur une route assez petite. C'est un sentiment de force en fait. Ça, j'ai jamais vécu. C'est une symbiose à quatre, donc c'est un sentiment de force en fait. Parce que vous étiez toutes les deux, les deux nanas comme ça, Joey un tout petit peu devant, et après vous êtes rééquilibrées, et vous marchiez. C'était le lien, le groupe, la force sereine. Super. Est-ce que ça vous semble réalisable avec du travail, hein, on ne se lance pas dans l'aventure avec vos chevaux sans travail, on précise. Oui. Est-ce que ça vous semble réalisable avec vos chevaux? Avec du travail. Parce que je pense surtout là, c'est comme parce que l'effort à fournir est chez nous. Mais oui, c'est vrai qu'il doit quand même être déstressé par rapport à être dehors et en liberté. Mais je pense qu'il n'y a pas d'effort particulier dans ces conditions-là, comme il n'y a pas d'exercice. Ouais, ils sont très zen. Oui, alors ma question, à partir de quand on peut... Alors à partir de quand déjà tu as un cheval en extérieur, en licol, où tu peux te dire waouh, je sens qu'il est bien. Ensuite, il faut absolument, mais chut, caresse, il faut absolument avoir la réponse avec la badine sous l'encolure. Il faut absolument avoir la réponse avec la badine. Ça, c'est important, très important. Et que d'avoir vraiment le diapason, je m'arrête, il s'arrête, le cheval. J'avance, il avance, sans presque, juste avec la main, juste avec l'énergie. Elle n'est pas d'accord. Elle dit si, hurra, c'est trop cool les cordelettes. Voler, la liberté, la liberté. En fait, ce qui est difficile, c'est d'être en même temps vigilant à ton cheval et d'être détaché. C'est pour ça que j'ai bien aimé toi, Lucia, parce que t'étais... Lucia, elle se baladait comme elle baladait son chien. Normal, il reste là, comme on ne s'est même pas occupé de mes chiens. Ils étaient là, quoi. Et Lucia, elle baladait son poney, allez hop. Et pourtant, Tocano, c'est pas forcément plus évident. Bien là, oui, c'était top. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Marie-Pierre? Super. Un autre mot à dire? Merci. Merci aux chevaux. Merci. 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 Merci à toi. Merci la poule. Reste donc là.